Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la fin du coloriage que j'ai commencé hier, celui d'Emmanuel Colin. Voilà, avec le petit oiseau dans le chignon. Donc ça y est, j'ai terminé. Donc il y avait du lierre dans les cheveux, des petites fleurs à finir, puis la chevelure. Bien sûr. Donc voilà, c'est terminé. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé. Alors pour les fleurs et le feuillage, j'ai repris mes Prismacolor. Par contre, pour les cheveux, j'ai repris les Castel Art. Voilà. J'ai voulu essayer de refaire avec cela. Bon. Et alors j'ai vu une différence. Bon, quand j'utilisais que les Castel Art. C'est vrai que je trouvais pas, bon, j'ai trouvé normaux, hein. Ils allaient très très bien. Mais maintenant que j'ai pris goût au Prismacolor, je les trouve beaucoup plus secs que les Prismacolor. Donc, du coup, aujourd'hui, j'avais un peu plus de mal à faire ma chevelure. Mais ça a été très bien. C'est là que je vois qu'il y a quand même une différence de mine. Entre les deux marques de crayons de couleur. Donc les Prismacolor, oui, ils sont beaucoup plus gras quand même que les Castel Art. Et du coup, moi, je voulais refaire comme ça, voir ce que ça allait donner. Bon, je le trouve très joli, mais bon, je pense que j'aurais quand même dû les faire au Prismacolor, c'est bon. Là, donc, pour ce coloriage-là, il est terminé. Je vais voir pour la suite ce que je ferai en coloriage. Bon, il faut que je voie pour en réimprimer des Emmanuel Colin. Mais comme mon imprimante en ce moment me fait elle chipote. Donc là, j'avais demandé à mon fils, mais bon, je ne vais pas lui demander à chaque fois non plus pour lui manger toute son encre. Donc, il faut que je réessaye de voir si j'arrive à imprimer ou pas. Je ne sais pas pourquoi. Au début, elle me prenait le papier le cardstock, et là, elle ne veut plus me prendre. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Pourtant, bon, là, c'est une Epson, hein, donc c'est une bonne marque. Mais bon, là, elle veut plus me prendre le cardstock maintenant. Je ne sais pas pourquoi. On verra bien. Je réessayerai. Sinon, je verrai. Je demanderai quand même à mon fils qu'il me réimprime un ou deux coloriages. Voilà. Bon, sinon, je ne suis pas sans coloriage en attendant. Voilà. Sinon, bah, ce que je ferai, bon, je commanderai les carnets directement. Et puis, moi, je les aurai tous. Voilà. Donc, j'avais un autre truc. Oui, des fois j'ai des trucs à vous dire et puis j'oublie. Il faudrait que je me fais des petits post-it avant de faire la vidéo, comme ça j'oublie rien. Mais bon. Là, demain, je pense. Alors, je dois vous faire le scrap que j'avais dit. Donc, j'essaie de vous faire ça demain. Et avancer sur le diamond painting également. Voilà. Oui, j'avais un truc à vous montrer. Alors, attendez, je ne bouge, je bouge juste une seconde. Alors, j'avais fait un petit tri dans mes. Enfin, un petit tri a été vite fait puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Dans mes dernières créations que j'avais mis en vente l'année dernière. Et il m'en reste une qui n'a pas encore été vendue. Donc, je l'avais mis sur mon Facebook. Bon, celles qui ont le Facebook l'ont peut-être vu. Ceux qui n'ont pas Facebook, donc je vais vous la montrer. Donc, c'est une dernière création qui est à vendre, que j'avais fait en cartonnage. Voilà, celle-ci. Elle est avec du vichy noir et blanc, du tissu fleuri noir et blanc, tout autour, comme ça. En dessous, c'est du Vichy. Et je vous montre ce que c'est. Voilà. C'est une boîte à clés. Vous voyez? Donc, il y a un petit tiroir. Hop. Voilà.
Il y a un petit tiroir pour y remettre des clés supplémentaires ou des petites choses. Donc, il me restait cet article-là à vendre dans les pièces de cartonnage. Donc, ben, je voudrais bien qu'elle parte, qu'elle soit vendue. Voilà, parce que moi, de toute façon, je n'en ai pas l'utilité, hein, donc je ne vais même pas la garder pour moi. Il y a déjà les petits crochets, hein, vous voyez, pour la mettre directement au mur. Donc, elle est solide, hein, il n'y a aucun souci. Donc, il y a les petits aimants pour fermer la porte. Voilà. Et sinon, bah, il n'y a rien de spécial, hein, voilà. Donc, cette petite armoire à clés, elle est au prix de 35 euros. Voilà. Je crois que je l'avais fait plus cher avant. Je crois que je l'avais mis dans les 40 euros. Donc là, maintenant, je l'ai mise à 35, plus les frais de port. Voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un, alors soit vous me contactez par mon Facebook, si vous l'avez, ou alors par mon adresse email. Qui est en barre d'infos. Voilà. Comme ça. Et puis, donc, vous pouvez me la payer directement par PayPal. Et je peux vous l'envoyer aussi par mon Dial Relais. Mon Dial Relais ou Relais Colis, si vous n'avez pas de mon Dial Relais. Voilà. Ou la poste, si vous n'avez ni l'un ni l'autre. Mais bon, la poste, on sait que c'est toujours un peu plus cher, hein. Voilà, donc si je profite de la vidéo pour vous la montrer, si ça vous intéresse, comme ça, ben, elle pourra partir si ça intéresse quelqu'un. Parce qu'elle est là toute seule, elle pleure dans son coin. voilà, sinon, ben, rien de neuf. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos. Des petits pouces bleus, comme d'habitude. Ah oui, alors je voulais vous annoncer également que l'on a dépassé les 4 500 abonnés. Ouais, youpi, je suis super contente. Merci à tous. Donc ce matin, on était déjà à 4 510 même. Voilà, donc maintenant, on va viser les 5 000 abonnés. bon, je suis pas à la course, hein, c'est parce que ça me fait plaisir d'avoir de nouveaux abonnés à chaque fois. Mais bon, si on arrive à 5 000 abonnés, là, je ferai certainement un big concours. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous à tous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, si la vidéo est trop longue, bah, vous mettez sur pause et puis vous revenez après. Voilà. Allez, bisous, bisous.